07 79 02 52 05. Ça, c'est le numéro d'Abidjan. Bonsoir. Il y a une bataille énorme qui se passe actuellement. La bataille se trouve au niveau de votre énergie. Vous avez des baisses de confiance en soi. Parfois, c'est comme si vous avez oublié tout ce que vous connaissiez. J'étais spirituel le mois passé, non? Pourquoi le mois si je suis plus spirituel? Les choses prennent du temps pour se mettre en place. Les choses prennent du temps pour se mettre en place. Et parfois, on a mal plus qu'on ne devrait. Parfois, on a mal plus qu'on le devrait. Les choses ne se passent pas comme nous, on a prévu. Vous venez dans mon direct, demandez un numéro, vous n'avez pas de quoi noter, sortez de mon direct. Parce que je vous connais, vous croyez que je suis ici seulement pour. Je ne suis pas là seulement pour ça. Voilà le commentaire. Si vous ne prenez pas le numéro, laissez. Beaucoup de vos échecs, beaucoup des échecs que vous allez voir, ne vous en faites pas. N'oubliez pas que tout est vu ou contrôlé d'un endroit plus haut que vous ne pensez. Il y a quelque chose de plus grand qui contrôle les choses. On dit en anglais, there's a bigger purpose. Il y a quelque chose de plus grand. Vous ne courez avec personne. Vous n'êtes en compétition avec personne. Je vous libère de cette pression que vous vous êtes mis vous-même. Depuis le 9-9, il y a beaucoup de pression énergétique. Tu sais que tu es censé faire ça, mais tu n'arrives pas à faire. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes qui faisaient un travail spirituel, qui se disciplinaient, vont vouloir tout lâcher. Il y aura la tentation d'arrêter. Mais attends, tout ça, depuis qu'elle fait ça, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? La femme dit que je suis même chaque jour à babade là. Ça sert à quoi?
l'enchanteresse, je sais que ça t'est arrivé. J'ai une personne sur qui je travaille depuis au moins un an et demi. Elle m'a écrit ce matin, elle dit que début du mois, elle voulait jeter tous les produits spirituels qu'elle a chez elle, que c'est même quoi ça. Elle voulait jeter tout. Donc on dit c'est la personne là, donc si on peut, je pouvais penser à tout le monde sauf elle. Parce qu'elle-même, elle est sur son chemin. Elle soigne les gens. Les tentations des guérisseurs seront plus que jamais élevées. La dîme que je paye depuis là, ça fait même quoi dans ma vie? Je paye la dîme depuis là, ça a même fait quoi? Hein? Ah, je ne veux plus payer la dîme. Je ne veux plus payer. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des enseignants spirituels. Et on ne veut pas, il y a une énergie qui ne veut pas que vous accomplissiez ce que vous êtes censé. Vous devez vous décider que si je dois relancer le projet 50 fois, je relancerai. Depuis une semaine, j'ai fait un Western Union, la personne n'arrive pas à toucher. Malgré que j'ai refait plusieurs fois, je suis tellement sous pression. Tu es en train d'écrire ça, non? Voilà une autre personne sur TikTok qui dit aussi la même chose. Que mon cœur saigne. Depuis que j'ai envoyé mes frères de formation, c'est calé en route. Vous comprenez maintenant? Il y a les jours où tu vas faire 2 heures de temps sur le lit. Un, tu te dis, lève-toi, tu peux te laver au sel. Tu commandes à ton corps de se lever. Ton corps te regarde. Je vous libère de la culpabilité. Ton fils n'aime pas écouter les louanges. J'en ai rien à foutre. La formation TikTok Academy, on va lancer la semaine du 20. J'ai déjà fini d'enregistrer. Je peux dire que j'ai enregistré 75%. Et on aura coup deux. Vous aurez des coups 2 fois par semaine. S'il vous plaît, faites l'effort d'être présent physiquement dans vos endroits ou bien sur Zoom. Sunwave ne veut pas te rembourser ton argent. Perle Noire, bonjour. Tant que tu ne supportes pas le genre de pression que tu n'as pas supporté avant, on ne peut pas te confier ce que tu n'as pas encore, ce que tu as demandé. Tu es dans une situation horrible, c'est très bien connu. Je ne veux pas savoir c'est quoi. Je n'ai pas dit que je n'ai pas fait mon direct pour demander vos problèmes. Ce n'est pas le direct où on vient présenter ses problèmes. Tant que ton esprit ne supporte pas la pression, la perte. Avant que tu perdes, si tu es bien vigilant, on t'avait dit quelques jours avant que donne ici. N'est-ce pas? On t'avait pas dit. Depuis, tu demandes les modalités du travail spirituel de tes 2 enfants, on ne te répond pas. Tu as demandé où, chérie? Parce qu'elle vous connaît.
Tu viens me dandiner dans mon direct. Je ne pense pas que tu veux vraiment qu'on travaille sur tes enfants. Donc, comme tu as écrit, on n'a pas répondu, tu laisses, n'est-ce pas? Il faut laisser. Moi-même, je ne te réponds pas. Parfois, vous pensez que je cours trop derrière votre argent. J'ai travaillé sur l'enfant d'une dame ici l'autre jour, à Abidjan. Déjà qu'elle-même, elle a un degré de spiritualité high. Et ses enfants ont ces trucs-là, les prémonitions, les choses-là. Elle a pris un cahier le cahier que j'ai fait pour les enfants là, pour les aider à découvrir leur potentiel et tout. Et donc j'ai demandé si vos enfants ont mes cahiers de vision là, demandez-leur de me contacter, donnez-leur mon numéro. Vous écrivez, vous dites que mon fils a besoin du numéro privé de la reine. Je peux parler à vos enfants, mais pas à vous. Moi, je suis. Vos enfants m'écrivent, je vais leur répondre. Mais vous ne pouvez pas vous parler. Donc, son fils m'a écrit. Il me dit, autour de l'heure où je travaillais sur lui, il était dans son endroit dans la ville, moi j'étais dans mon endroit. Il dit que son corps a chauffé pendant 45 minutes. Son corps a chauffé pendant 45 minutes. Après, il me demande que c'était normal. Il dit, oui, il était en train de travailler sur toi. J'ai précisé. Je vais faire qu'on mette ce post-là sur la page. Dites à vos enfants de m'écrire. Pas vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'avez pas... Tant que vous ne prouvez pas que vous pouvez tenir la pression, ne croyez pas qu'on va vous élever à l'autre niveau. Que, oh je veux. On doit te mettre la pression. La pression, la retire tout ce qui était ancien dans ton corps, tes envies, des anciennes envies. Bonjour, la princesse Landry Prisca. Comment tu vas? Bonjour, bonjour. Tant que... Et vous devez comprendre aussi que beaucoup de vos batailles sont menées dans le sommeil, pendant que vous êtes... Il y a des jours où tu es fatigué, tu n'as envie de rien faire. Le bébé de 1 an qui aime m'écouter... Tu ne vas pas me dire que l'enfant là me comprend. Il aime voir mon visage, il aime le son de ma voix. C'est tout non, chérie. Si j'ai ton bébé de m'appeler, il va me dire qu'au téléphone. Il va me dire ah, n'est-ce pas? La pression, si ça fait que dans ton corps, tu sens ça que dans ton corps, ta chair. On est en train de retirer beaucoup de mauvaises choses dans toi. Ton aura est en train d'être... Ok, voilà ce qu'on me montre. Vous êtes en train d'être guéri sur votre chemin. Donc, supposons que tu as déjà eu 200 vies. Tu es dans une période importante de tes 500 dernières années. It's mind-blowing, I know. La naturelle, bonjour. Ah, c'est bébé King Aiden là. Je t'ai dit que tu devais payer une lecture de cartes pour cet enfant, non? Et tu dis ça, tu n'as sûrement pas pris sa lecture de cartes. Tu veux que je dise que quoi? Vous aimez la pauvreté? Pardon, Takanon, ne me dérange pas. Bonjour King, c'est pas moi, c'est ta mère. Tu as compris King? Bye. Ok. Vous
vous êtes sur un chemin de, ok, les 800 dernières années, il y a un truc que tu échouais toujours. À chaque fois que tu revenais, tu échouais. Tu bloquais là-bas, tu mourais. Tu bloquais, tu mourais. Là, tu es en train de changer ton chemin karmique. Ça va résonner dans l'âme de quelqu'un. Tu es en train de modifier la trajectoire de ton chemin karmique. Bonjour Linda. Ça a du sens pour quelqu'un, j'espère. Le message est destiné à qui? Si tu poses cette question, ce n'est sûrement pas pour toi. Donc, tu n'as rien à faire sur ma page. Peut-être qu'on t'avait puni que tu vas faire tel nombre de vies dans telle situation. Et là, tu es en train de faire... Je vois quelqu'un qui vient avec une fiche de miséricorde. Ok, on t'a gracié. On t'a gracié. Tu étais censé encore faire peut-être 10 vies de galère. Tu dis ceci. Moi, tu ne me réponds pas. Je te dis bonjour. Je te bloque. Tu as compris? Quand il me pointe, c'est pas vous dire bonjour. C'est pour dire ce qu'on m'a dit de vous dire. Donc, tu ne t'abonnes plus sur ma page. Voilà. Si mon bonjour a changé quelque chose dans ta vie, pourtant, ce qu'il dit va t'aider. Voilà. Bloqué. Vous venez encore dire que vous n'êtes pas salué. Si votre bonjour, ça me donne 500 millions. Donc, je vois quelqu'un qui vient avec un parchemin, un message qui dit qu'on l'a gracié. Et quand tu as été gracié, vous savez, parfois on est et on est dans des familles où tout le monde struggle. C'est dur, c'est dur. Tu arrives en Europe, tu souffres. Tu fais 10 ans, on te rapatrie. Et je dis, mais les autres familles font comment? Tu les vois acheter un sac Louis Vuitton, pour eux, c'est rien. Tu es en Bénin, tu travailles. Mais pour toi, l'argent est toujours beaucoup. Genre, quand on dit 1000 dollars, tu dis hé hé. Hé hé. Tu comprends? On est en train de changer l'énergie que tu portais. Et je vois quelqu'un, ta lumière est en train de devenir violette. Je vais chercher la signification du violet. On me dit, tu dis que ta lumière est en train de devenir violette. Le violet, c'est le royal, la royauté. Et je vois quelqu'un ici là que, si tu as un problème, il faut quitter sur mon direct. Avant que je te bloque, j'arrive. Piap go so. Oyou, non. Piap go so. Donc, le violet est réputé pour être la couleur, une couleur spirituellement riche qui symbolise l'intuition et la conscience. Dans l'hindouisme, le chakra, centre d'énergie qui se rapporte à la conscience pure, est représenté par le violet. Le violet a symbolisé le luxe, la royauté pendant des siècles. Il est également associé à l'imagination, la créativité, ainsi qu'à la profondeur de la pensée. Dans ton énergie, tu es en train de passer au violet. Tu as fait un travail d'introspection, de méditation très intense. Monsieur Léo, parfois je pensais que c'était seulement moi. Regardez, je vais vous lire le revers de la chose. Je vais vous lire Deutéronome. Je vous donne souvent de lire Deutéronome 28 du verset 1 à 14, n'est-ce pas? Allons voir du verset 15. On va jusqu'à mon temps.
Papa, vous me faites une faveur. Écoutez, hein. Ils ont d'abord donné les bénédictions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu observes, tu vas prospérer, ton argent va entrer, gna 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 gna. Ok, thank you. Verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique ses commandements, hein? Voici les malédictions qui viendront sur toi. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, tes enfants, le fruit de ton sol, tes récoltes, les portées de ton gros menu bétail, tout ça sera maudit. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Oh! Ne faites pas, vous avez compris, non? Elle exagère, elle est trop dit, elle exagère. Ne faites pas. Comme tu fais sur mon corps là. Une femme est venue l'autre jour avec son mari. Ça fait peut-être 2 semaines comme ça. Ils sont venus à Abidjan. J'ai travaillé sur eux. J'ai travaillé encore. Mais j'ai travaillé au Cameroun. Je suis venue, j'ai travaillé sur eux toujours. Quand les dos que le monsieur l'attendait sont entrés, il ne m'a pas dit que c'était sa femme. Il m'a dit que, ah, c'est entré l'autre jour. Hein. Quand votre argent entre là, vous m'appelez. Ne m'appelez même pas, je ne veux pas savoir. Je sais que mon travail marche. Je ne dérange plus ça. Je dors en paix. Mais ce n'est pas de combien de millions qu'on a viré là. Est-ce qu'il m'a appelé pour dire que l'argent est tombé? Non. Quand vous pensez, quand vous travaillez sur vous, quand on travaille sur vous, c'est pour notre bien, c'est pour vous. Je continue à lire les malédictions. L'Éternel enverra la pluie, enverra pour pluie à ton pays, de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, vous qui ne voulez pas obéir. Tu sortiras contre eux par un chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ça sont les malédictions dans Deutéronome 28, versets 15 jusqu'à 60 quelque chose. 15 à 68. Allez-y. La vie ne donne pas le lait. Regarde ta vie, chérie. Voilà la rentrée. Tu pars, tu regardes les fournitures, tu cherches ce qui est le moins cher. Pourquoi tu n'as pas l'argent pour payer les choses de tes enfants? Ça ne te dit rien. Continuez de dormir. Vous avez suivi. Continuez. Vous pensez que c'est tout le monde qui va dormir. Hein? Continuez de dormir. Vos problèmes commencent quand vous baissez votre garde. Vous vous donnez les excuses. Je ne veux plus les followers avec les excuses. Je ne veux plus. Vous abonnez, vous quittez sur ma page. Vous aimez la pauvreté, la médiocrité. On peut être spirituel, on a ses moyens. Lève-toi au sel matin et soir. Je suis fatiguée. La pauvreté te fait comment? Ce n'est pas bon. La pauvreté, c'est comment? Ça fait comment dans ton corps? Hein? Vous pouvez aller mendier au lieu de vous asseoir. Vous travaillez sur vous. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui préfèrent mendier? Tu vois un dragueur. Il te dit, tu sais, tu pars à l'hôtel Fanny. Porte 203. Tu couches avec lui, oh, c'est. Non. Je voudrais qu'on reprenne ensemble. Parce que tu sais qu'après 200 000, pourquoi tu ne peux pas te payer la pension des enfants? Alors que tu aurais pu bosser. Tu aurais pu bosser, tu peux mettre ton argent de côté. C'est la paresse. Vous êtes paresseuse. Oui. Vous êtes paresseuse.
Allez souvent vous mettre dans le supermarché. Vous voyez comment les gens dépensent l'argent. Quelqu'un vient de dépenser 6 mois de salaire devant toi. De ton salaire, bien sûr. Pas le sien. Tu regardes. Tu ne t'es jamais demandé est-ce que tu viens accompagner les gens? Parce que tu es paresseuse. Tes enfants partent depuis dans des écoles qui ne sont pas bien. Chaque année, tu dis que je vais les enlever de là. Tu tournes, tu feignes, tu reviens, tu les mets dedans. C'est la paresse. Tout ce que tu détermines dans ta tête, que je vais faire, moi aussi je vais faire ça. J'ai une de mes filles qui a cela 2 ans, elle n'avait pas payé 25 000 pour qu'elle travaille sur elle. L'autre jour, elle a déposé 600 000 pour faire un travail sur elle. 600 000. Je sais qu'elle va me dire, oh vraiment, j'avais trop de blocage, même vraiment, j'ai dû ramer avant d'avoir les 600 000, mais il faut que tu comprennes que ton esprit a déjà changé. Là, elle a payé une cérémonie pour la mettre sur la chaise. Restez toujours, aimer la pauvreté. Bonjour à ceux qui viennent d'entrer. Aimez la pauvreté. Aimez. Parce que vous pensez que les gens qui sont riches sont paresseux. Je veux un homme riche. Il se lève à 6 h, il fait son sport. Bam, il ne fait pas à tel endroit. Bam, il fait. Okay. C'est l'homme riche que tu voulais, non? Ça t'est encore arrivé que tu te dis souvent que. Souvent, il veut l'homme riche comme ça. Là, si il tombe sur l'homme riche vraiment. Peut-être qu'il sera trop discipliné pour moi. Ça vous est jamais arrivé? En tout cas, moi, je pense souvent, j'ai souvent des pensées comme ça qui me passent par l'esprit. Il peut être trop strict pour moi. Hein. Tu vois le genre d'homme que tu ne peux pas tes nourritures avec l'huile rouge, un genre là. Il dit non, je ne mange pas ça. Voilà, on fait un régime comme ça parce qu'on ne mange pas trop de sel, on ne mange pas trop ceci. Tu es dans sa voiture avec les chaussures sales, un genre là. Il te dit, mais chérie, tu vas salir la voiture. Il paye sa traite, le crédit de sa voiture, il paye à temps. Il paye tout à temps. Hein? Votre premier problème, c'est la paresse. Tu trouves un travail, on est trop exigeant dans ce travail-là, tu te dis, ah, je fais d'abord un long chemin, je sors de chez moi. J'ai des employés à Abidjan qui sortent de chez eux à 5 heures. Ils arrivent ici à 7h30. Ils rentrent le soir à 18h. Ça, c'est un de mes produits. Ça s'appelle Embellis-moi. Quelqu'un va faire ça 2 semaines, 3 semaines. Et en plus, au travail, on demande. Il y a des lieux de travail. Tu pars là-bas travailler, ça te change. À la maison, ta femme est dépassée, mais il est devenu discipliné. Il se coiffe à temps. Il se lève tôt pour partir au travail. Nadia, va dans ma bio, tu cherches. Si tu ne trouves pas mon numéro, tu laisses. Tu as compris, non? Si tu n'arrives pas à trouver mon numéro en ligne, ça veut dire que tu ne peux pas payer mes produits. Voilà. Tu veux un pack spécial de parfum, hein? Maman. Souvent, vous allez embellir, moi, c'est là où vous pouvez souvent mettre sous la main. Ils m'ont montré un truc là que je vais faire. Ce sera dans le pack de même PC. Maman, les recettes qu'on me donne, c'est grave. Je vais faire le supermarché spirituel.
Hey, je veux le supermarché spirituel. Les utilisations des produits qui me montrent. Pourquoi tu me mets comme ça là? Ça appelle un agent qui était un genre quelque part caché là. Ça, vous avez reçu. Quand parfois ils vous parlent comme ça, on est en train de discuter de mon nom quelque part. Quelqu'un est en train d'essayer de m'envoyer l'argent. Hein? Sur les astuces de produits pour un concours, je ne fais pas dans ça, mamie. Si tu as l'argent pour payer, tu m'appelles. Et les gens comme ça là, quand vous voulez les astuces, c'est le moins cher. Je n'ai pas chéri. Des boîtes que c'est, tu lui parles du kit examen, pourquoi? Non, elle n'a pas l'argent pour acheter. Elle veut les astuces. Elle veut que je dise que prends le sel, tu prends la terre, tu prends la salive, tu mélanges, tu fais tout ça. Après, tu prends ça là, après, tu mets. C'est ça qu'elle veut. Elle veut les astuces. Elle ne veut pas les produits. Tu as compris? Voilà. Parfois, il me fatigue de vous donner les astuces. Oh, I love this. J'ai découvert ça dans mes produits hier. J'ai pris moi-même mes jours à rentrer avec à la maison. Les gens que vous voyez, ils font leurs choses tant il faut. Ils payent le loyer à temps. Ils cherchent la maison, ils payent 12 mois. Ils mettent même encore 2 mois dessus. Ils ne sont pas sorciers. Ils ne font pas la sorcellerie. Tout dans la vie, tu dois te décider que je sors de cette façon que j'avais avant. J'ai pris une employée récemment dans un de mes endroits où je travaille, un de mes locaux. Elle arrive. Hier, elle devait faire les étiquettes. J'arrive au magasin, je vois. Elle est en train de découper. Premièrement, je ne fais jamais, je n'imprime jamais les étiquettes qui ne sont pas prédécoupées. Elle trouve un imprimeur. Il ne me dit pas que il faut que voilà, pré-imprimer, bon, prédécouper telle somme. Non découper telle somme. Il ne me donne pas l'option. Je me dis donc que bon, dans ma tête, c'est que c'est sûrement ce qui est prédécoupé. Bon, elle va d'abord commander, mais elle commande mon truc. Elle commande mes produits, ce n'est pas ce qui est prédécoupé. Ça m'énerve un peu. Elle la trouve au magasin, elle est partie demander les ciseaux du voisin. Hey! 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 Elle est partie demander les ciseaux de mon voisin. J'arrive et je dis que, mais attends, je vous ai envoyé au magasin l'autre jour d'acheter tout ce dont vous avez besoin pour bien fonctionner. Vous savez qu'il y a 2 campus ici à Abidjan. Il y a 3 campus à Douala qui sont ouverts au public. Les autres ne sont pas ouverts au public. Burkina, on a 1 campus. Gabon, on a 2. Pourquoi vous n'avez pas pris 2 ou 3 paires de ciseaux? Vous déposez une paire dans chaque campus. Non, madame. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous avez besoin de ciseaux? Vous, votre mindset réfléchit qu'il faut aller demander pour le voisin. Il va remettre ça rapidement. Voilà le mindset. On n'a pas, on ne peut pas acheter pour nous. Il faut qu'on pas demander pour quelqu'un. Ce sont les choses que je n'ai même pas senties à côté de moi. Il n'y avait pas ça à la maison, madame. On est parti demander. Hey! Je peux même te renvoyer. Tu risques le renvoi avec moi. Oui. Oui, oui, oui. Je peux te renvoyer, moi. Quand on pointe dans notre magasin, est-ce qu'on donne 500 à cette personne-là? Et quand tu fais tout ce que tu dois faire comme il faut à temps, ça soulève ta confiance en toi. Il y a des gens que les Anglais surtout, je les aime beaucoup. L'anglais quand il marche comme ça. Quand il parle fort. He's, you know, he's outspoken. Le français. Non. L'anglais parle fort.
J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Can I have this, please? Thank you. OK. Quelle est le système francophone, ça nous a fait quelque chose. Hein. Ça nous a fait quelque chose. J'ai rencontré un Nigérian l'autre jour, avant-hier, comme je vous ai expliqué. Non, hier. Oui. Il me dit, il vit en Côte d'Ivoire, mais il ne peut pas accepter que sa fille épouse un Ivoirien. Parce que le mindset des Ivoiriens est très bas. Pas qu'il insulte, mais il dit ces gens qui sont à la maison, ils n'aiment pas travailler. Tu es enceinte, tu fuis, tu fuis. Tu fuis tes responsabilités. Il dit que non, il ne peut pas accepter. Il peut pas accepter. Leurs valeurs ne sont pas aussi fortes que pour les gens. Et quand vous observez ceux qui sont francophones et qui sont dans les pays anglo-saxons, le mindset des anglo-saxons est différent. Même déjà pour créer ton entreprise là-bas, du côté des anglo-saxons, c'est plus facile. Parce qu'on sait. Non, les francophones là. Tu as une question, je m'en fous de ta question, chérie. Tu as compris? Ne le prends pas mal. Mais je ne suis pas là pour bavarder, je suis pas là pour bavarder avec vous aujourd'hui. Si ce que je dis ne t'intéresse pas, tu laisses. Au tarnan, ou non, tu sors. Tu reviens l'autre jour dans mon direct. Je ne te bloque pas, mais tu sors. Voilà. Quelqu'un devant toi, elle bavarde. I'm making a point. Je vous amène quelque part, vous ne voulez pas écouter. J'ai une question. Une question. Vos esprits distraits. Vos esprits distraits. Je passe ce matin à une de mes employées. Je rentre du magasin avec des articles. Je lui dis, ça, ça va au magasin. OK? Elle porte en train de se diriger vers la maison. Non, ça va au magasin. Je rentre dans la maison. Après, je la vois, elle porte les choses, elle laisse la cuisine. Elle vient pour mettre dans le magasin de la maison, de l'autre campus, on va dire. Je l'appelle. Je dis, mamie, je t'ai dit que ça part au magasin, que ça ne part pas à la cuisine, non. Elle me regarde. Les gens qui ont grandi avec leur grand-mère, là, et on vous tapait beaucoup dans l'enfance. Si ta grand-mère encore vivante, achète la bière. Tu dis, grand-mère, merci. Les esprits distraits. Tu as fait expliquer quelque chose à quelqu'un. Tu dis oui, tu prends, tu portes ça, tu dis oui. Il va y parler. Deux oreilles, écoute, listen, écoute. Si c'est pas écrit, lis deux fois, trois fois. Si tu n'as pas compris, dis pardon, tu peux répéter. Ceux qui sont arrivés en Europe, vous en avez souffert, n'est-ce pas? En Afrique, tu étais pas là. Tu arrives en Europe, tu lis l'heure. On te dit de faire tax return. Ça, c'est un truc qui m'a toujours énervé en Angleterre. Tax return. Des déclarations fiscales, quand tu travailles à ton compte. Tu fais les trucs, tu jettes. Ah, je ne fais pas. Ah, tu jettes. Après, on dit pénalité 100 euros, 100 pounds. Après, ça augmente encore. Pénalité. Parce que tu ne prêtais pas attention à ce qu'on te montrait. Beaucoup d'entre vous, comme ça, vous êtes distraits. Vous êtes distraits. Tu arrives en Europe, tu arrives, tu prends un boulot, tu fais deux jours, on te chasse. Tu prends un boulot, tu fais deux jours, on te chasse. Parce que tu es distrait. Parce que les blancs ont un système. Tu arrives, tu remarques que tout le monde a son bic. Il note à une certaine heure. Tu arrives, tu ne notes pas ton entrée, l'heure à laquelle tu es entré. On ne compte pas le jour là. Tu t'affiches de paye, tu vois qu'on m'a retiré deux jours de travail. Le jour là, j'étais arrivé en retard, j'ai couru une fois, j'ai mis la tenue sur moi.
Qui veut savoir? Qui veut savoir? Tu peux travailler quelque part, quand je faisais care assistant, tu peux travailler quelque part, tu as une fiche que la manager doit signer. Tu arrives, elle oublie de signer. Tu oublies de lui donner de signer. Quand tu rentres de là, tu vas montrer comment à l'agence d'intérim, comment tu vas leur prouver que tu as été là-bas pour travailler. Distraction. Soyez posé. Soyez posé. On a beaucoup jeûné dans ce mois de septembre. Tu as commencé le sport, tu as abandonné. Reprends. Tu peux être discipliné. Tu peux. Répète, je peux être discipliné. Tu peux te laver au sel matin et soir. Tu peux. Si vous regardez bien, généralement, on fuit tout ce qui est routine. On n'aime pas. On aime tout faire. Allez, allez, que je fais comme ça, dit non. Ça fait comme ça, comme ça, fait non. Valérie, tu as bien parlé. Distraction, procrastination, paresse. Les francophones sont forts dedans. Et ils fuient leurs responsabilités. Beaucoup d'entre nous, on connaît ce que nos pères ont fait. Soit tu es enceinte, tu fuis. Soit tu as grandi, tu es un enfant que ton père ne s'est pas occupé de toi. Tu étais aussi au quartier comme ça, là. Personne ne te fouettait. Tu étais là comme ça. L'enfant ne se dissipe pas seul. Et je ne m'excuse pas de ça. Hé, hey, moi, je ne blague pas mes enfants. Tu viens faire la déjeuner chez moi, hein? Sors, il te met dehors. Je prends une petite chambre, tu restes là-bas. Tu rentres, tu prépares, tu rentres de l'école avant de préparer, tu commences, ça te chauffe, ça te. Mais ça te touche. Tu dis que yeah, yeah. Ok. Parce que quand on parle, tu dis, ah ouais. Non. L'enfant ne se disciplinera pas seul. Il y a des moments où toi, quand tu te disciplines, tu aides même ton enfant aussi. Parce que beaucoup d'entre vous, vous parlez à l'enfant, vous-même, vous ne faites pas. Fais, non, fais. J'avais une tante quand elle était petite. Elle rentrait du marché. Elle préparait assise. Je me demandais souvent si elle prenait la chaise roulante quand elle arrivait au marché. Dès qu'elle rentre du marché, le plus dur qu'elle avait fait, c'était faire le marché. Elle rentre. Jocelyne. Justine. Prends ça, tu me donnes. Donne-moi le sac là. Pas écraser ça à la machine. Pas écraser à la machine. Pousse la pierre là, tu mets ici. Après, elle s'assoit. Elle tourne le couscous. Voilà le seul truc difficile qu'elle faisait dans la cuisine. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Donne-moi la scène pour retirer. Seigneur. En grandissant, on voit comme les choses. Moi je l'observais toujours comme ça. J'avais des cousines qui se moquaient un peu des gens. Souvent ils restaient à la maison, ils l'imitaient. Jocelyne. Aïda, vous vous êtes vu dans mes locaux et je priais. Ah, ça va se passer. Je vous ai dit que je compte faire des rencontres gratuites. Non, vous allez venir, on va faire. J'en faisais beaucoup l'année passée. Hein. C'est parce que là, on m'a donné des instructions. Je devais ouvrir les autres locaux. Là, j'ai déjà ouvert assez. Et le Burkina est déjà ouvert. Abidjan, on a un endroit où je peux recevoir les gens. Gabon, on a. Douala, on a. Donc, j'ai multiplié déjà. C'était mon objectif l'année passée. J'ai arrêté les rencontres depuis décembre l'année passée. Donc, on a fait presque 8 mois. Pas presque. On a fait 8 mois. Donc, c'est le 9e mois. Maman, la nonchalance. Au lieu d'avoir un employé nonchalant, qui est compétent, donc il connaît, il a fréquenté, mais il est nonchalant. Je préfère avoir celui qui n'a pas fréquenté, mais il bouge. Parce que celui au moins qui n'a pas fréquenté, je peux lui dire que fais comme ça, il fait. Fais comme ça, il fait. Fais comme ça, il fait. Oui.
le nonchalant. Hey, j'ai un comme ça récemment que je viens d'embaucher. Il y a quelqu'un à Yaoundé pour vendre les produits. Vous pouvez chercher les produits à Yaoundé, mais le magasin n'est pas encore en route. C'est pas en bordure de route. Donc, on cherche le magasin en bordure de route. Mais les produits sont disponibles à Yaoundé. Il y a quelqu'un qui peut vous donner les produits et bien vous conseiller sur place. Voilà. Je n'ai pas encore seulement annoncé, mais bon, vous avez pris ça dans ma bouche. Achetez alors. Comment? Yaoundé, Yaoundé. Achetez alors. Yaoundé, c'est quand? Vous aimez ça? Si les fonceuses m'aident, vous demandez. Jesus is Lord. La personne d'abord arrive. La personne arrive d'abord. Il est censé arriver à 8h. Il vient à 9h30. Ou bien il t'écrit à 7h50. Il dit, je dois aller à tel endroit. Je t'attends ici dans 10 minutes, non. La personne arrive. J'ai un autre comme ça dans un autre de mes locaux. Oui. Pendant que tu entends lui parler, prenez ça sur les étagères, vous mettez là-bas. Oui, madame. Les mains sont comme ça. Hein. Oui, madame. Prenez comme ça là. Oui, madame. Oui, madame. Notez. Tu voyages, tu reviens dans 3 semaines. Pourquoi les étiquettes sont encore comme ça? Oui, je devais faire. Mais ça fait 3 semaines, monsieur. Tu devais faire comment? Tu devais faire comment? Sandrine, va prendre. Le kit fondation est disponible à Yaoundé aujourd'hui. Va prendre. Takanan, laisse-moi avec les promesses. Laisse-moi. Le jour où j'ai entendu le prendre, tu dis qu'elle m'appelle, je te salue. Toi particulièrement. Oui. Ok. Je voulais faire. J'allais faire, madame. J'ai eu un coup circuit dans un de mes locaux avant-hier. Ils ne m'ont pas dit. Ils prennent un truc qu'ils veulent brancher sur le mur. Ça fait péter tout le truc. Zzz. Je ne suis pas là. Ils allument. Ils remettent le compteur. Personne ne me dit. Deux prises sur un mur ne marchent pas d'un côté et de l'autre. Et c'est là-bas qu'on avait branché le wifi. Je rentre, je remarque qu'on a dépassé le wifi. Mais c'est tard, il est 18h19, ils sont à partir. Je n'ai pas le temps de demander que pourquoi vous avez dépassé le wifi. Le lendemain, je porte... Le lendemain, je porte le truc du wifi encore. Je dis que non, ça doit rester normalement là où j'ai mis dans le couloir. J'arrive au couloir. Je me rends compte que ça ne marche pas. J'attends le lendemain quand ils arrivent. Donc on est 2 jours plus tard après le truc. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, c'est seulement non, j'essaie de mettre au mur, ça s'est gâté. Il y a eu coup circuit. Il y a quelque chose dans le mur qui ne marche plus. Tu ne me signales pas. En fait, j'allais vous dire. Nous sommes 48 heures après les faits. Tu n'as pas osé. Tu m'as fait ton rapport le jour là, le lendemain. Et on est le 3e jour. C'est parce que vous pensez qu'en Afrique, on doit être médiocre. L'autre me dit qu'à 12h39, elle me dit, je veux aller à 15h prendre un document administratif à tel endroit. Je dis que tu travailles souvent dans les entreprises. Oui, là-bas, vous faisiez comment pour demander la permission? On faisait un courrier et on déposait. Il dit, waouh. Donc tu connais. C'est comme une femme qui rencontre que des gars volaches, escrocs, sur son chemin. Et elle dit non. Je veux un homme sérieux. Donc elle n'est plus en relation parce qu'elle dit, je veux un homme qui dit la vérité. Hein? Vous venez commencer à dire, oh, tu es trop exigeante, tu vas trouver où? Non. Le monde a fait que ça devienne bizarre de vouloir quelque chose qui est droit et bien. Tu vas trouver des employés sérieux où? Ils sont tous comme ça, non? N'est-ce pas? Ce n'est que les entrepreneurs qui peuvent me dire, qui comprennent.
Ce sont que les gens qui ont des business qui peuvent me comprendre ici. Tu vas trouver les gens sérieux où? Et dis waouh. Il y a un degré où les choses sont comme ça. Il y a une dimension où tu arrives. Des choses sont impeccables. Rechercher la perfection, ce n'est pas un péché. Je viens de renvoyer tous mes apprentis à cause du laisser-aller. Mon institut était déjà devenu la cour du roi Péton. Voilà. Tu ne sais pas que ces habitudes-là, ça met une énergie dans ton endroit. Toi-même, la patronne, ça t'influence. Toi-même. Plus pire encore, c'est quand tu veux les gronder ou bien te plaindre de quelque chose. C'est comme si tu parlais en charabia. C'est comme si tu étais chinoise, tu arrives à Batoufam, tu commences à parler, personne ne te comprend. Je cherche une secrétaire et une vendeuse au Burkina. Et si quelqu'un a des compétences en community management, c'est même Dieu qui nous envoie les employeurs. Moi, j'ai un composant. C'est Dieu. Priez beaucoup pour vos business, s'il vous plaît. Priez. Prophète Jérémie, que l'Éternel me bénisse. Merci. Je vais prendre soin de moi. Amen. Le Seigneur est exigeant. Dieu est exigeant. Ça t'est arrivé de jeûner. Et tu veux tricher et casser ton jeûne avant le temps. Le temps que tu as dit dans ton cœur que tu vas t'arrêter. Tu vois comment tu viens, tu commences à donner des excuses que Dieu va pardonner, non. Ou bien quand tu veux pécher. Je faisais beaucoup ça avant. Quand tu veux pécher, tu diras, j'ai fait une fois, non. J'ai fait une fois, non. Ou quand tu tombes sur un truc où tu as peut-être surfacturé une cliente par erreur. La cliente ne s'est pas aperçue. Et Dieu te dit, mais attends, je n'ai même pas besoin de l'appeler, non. Je laisse une fois passer. Oui. Dieu est exigeant. Dieu, ce n'est pas. Dieu est soit chaud, soit froid. Mais il a choisi son couloir. Et parfois, vous traversez des périodes difficiles, c'est bizarre, c'est fort, c'est... Parce que ton esprit est en train d'être testé. Cette période va passer. On teste ton esprit. Tu restes comme ça, après quelques mois, ça va. Ou quelques semaines. Tu dis, ah! Alors qu'il y a ça, deux semaines, personne n'entraîne dans mon magasin. Ton esprit est en train d'être testé. Il y a des personnes qui sont quittées qui ont quitté le boulot. Ils ont arrêté de travailler avec moi. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter. J'étais trop dur pour eux.
Parfois, tu t'es décidé que non, à partir d'aujourd'hui, je vais faire tel truc, je vais faire telle chose. 2 semaines plus tard, 1 mois plus tard. Oh, merci Vechto qui dit que je suis très belle. Oui, ma reine, exactement cette sensation. J'avais peur de rester seule, mais curieusement, après mon geste, j'ai senti un grand ouf de soulagement, ma reine. Et je me connecte là. Vous parlez de discipline. La discipline, c'est la vie ou la mort, chérie. Vous êtes mon trésor. Ma reine, paix et bénédiction sur vous. La discipline. Discipline will make you or break you. La discipline n'est jamais facile quand tu fais. Au début, c'est bien en commençant. Je vais payer ma dîme. Je vais me laver au sel. Je vais faire le sport. Je vais jeûner. Je vais maintenir le prix à tel truc. Le client vient et dit, oh, c'est trop cher. Diminue un peu. C'est ta discipline qui va parler. Hein. Paul a dit que si je vous parle et moi-même je ne fais pas ce que je dis, il dit je discipline mon corps. I subject my body. I put my body under subjection. Si tu n'es pas discipliné, généralement les derniers instants pour obtenir quelque chose, la pression veut te tuer. Hey, ceux qui ont déjà fait les mariages là, quand vous êtes déjà mariés, quelques jours avant le mariage, c'est comment souvent? C'est comment? Les problèmes sortent de nulle part, les ceci, imprévus de ceci. Finalement, tu dis que je ne veux même plus faire, je ne veux même plus. Ouais. Rien de grand ne peut arriver dans ta vie tant que tu ne saches pas comment maîtriser ton esprit. Et parfois dans les relations, si tu résistes à l'envie de te séparer de la personne, les mois qui suivent sont bons, doux. Tu dis, ah, on avait des problèmes, on a failli se séparer. On a tenu, on ne s'est pas séparé. Tu ne savais pas qu'on pouvait encore connaître les bons jours comme ça. Hein? C'est comme ça. Parce que vous avez passé les tests. Vous avez passé les tests. Je vais faire mon travail spirituel tous les mois. Je vais faire... Ok, on t'attend. Go, Piapo. Je t'attends, chérie. Je t'attends, viens faire. Viens faire. Tu as remarqué que depuis 4 mois que tu dis que tu vas acheter mes produits là, dès que tu as un peu d'argent, ça fait comment? Problème. Un jour, une femme me dit qu'elle a eu... Elle a une succession peut-être de 3 problèmes qui ont toujours rasé son argent. C'était genre, ma mère est tombée malade. Après, j'ai dû payer une opération de je ne sais qui. Donc, tous les trucs, ben, ça a été surdépassé. Elle dit que tu as bien compris. Vous pensez que c'est le lait? Que ça va venir comme ça? Il y en a parmi vous. Dès que tu tombes sur ma page, tu fais le premier bain de sel. La nuit, là, les problèmes avec ton mari. Problème. C'est un problème de sel, là. Et pourtant, dans la journée, comme ça, quand tu laves le sel, avant d'avoir les problèmes le soir, dans la journée, l'argent est entré jusqu'à. La discipline n'est pas facile, mais quand tu réussis, c'est bon. Ça a le goût. Tu commences à crâner. Hein? Ceux qui ont déjà maigri, quand tu as fait le sport, peut-être pour faire une perte de poids énorme. Maman. Quand tu fais, tu es en train de faire le sport, ça fait mal. Le corps, tu ne manges pas le ventre, tu as la famine. Wow. Après, tu regardes ton corps dans le miroir. Le ventre. Le ventre est parti, hein. Tu commences à mettre les mini. Tu sais un peu le ventre. Tu marches comme ça. On vous connaît.
Est-ce qu'on respire encore avec toi? Les hommes, souvent, quand un homme veut, il peut. Quand un homme t'aime, là, il te veut, il va t'avoir. Parce que la façon dont les hommes connaissent cette discipline, souvent, tu vois un homme comme ça, son corps est tracé. Hi! Jesus is Lord. Tu le regardes comme ça, hein? Le ventre est tracé. Tu le vois en salle. Il porte, il porte. C'est seulement parce que sur d'autres aspects, là, vous n'aimez pas vous discipliner. La façon dont on peut se discipliner, c'est qu'il fait son sport, il maigrit, ou bien je parle, pas qu'il maigrit, il trace son corps. Il peut se discipliner, il devient fidèle s'il le veut, bien sûr. Il peut se discipliner, il devient riche. Les femmes, généralement, leur discipline vient, c'est les circonstances de la vie qui les rendent comme ça, qui les rendent disciplinées, en fait. Tu as l'enfant, l'homme peut-être te laisse, tu dois aussi t'occuper seul de l'enfant. Tu n'as pas le choix, tu dois sortir. C'est la vie qui t'a rendu, c'est même pas que tu as voulu. Voilà. Ne pensez pas que la discipline, ça vient... non. C'est pour ça que Jésus a dit, vous faites dans le noir. Vous faites vos choses dans le noir et après, ce sera vu en plein jour. Bonjour, Eric M. Après, on va voir en plein jour. Les choses les plus lourdes qui vont vraiment impacter votre vie. Quand vous faites, vous avez l'impression que vous perdez le temps. Mais là, vos pipis depuis, ça a fait quoi dans ma vie? Hop. Les trucs de la femme là ne marchent même pas. Il ne regarde même plus ses vidéos. Oh, non. Elle dit direct en cours. Eh, pardon. Je sors même de son groupe là. Asia. Asia Yao. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Oui. Ça va aller. Ça va, Igo Waka. Ton esprit doit être déterminé. Souvent, tu restes comme ça, tu dis que l'année prochaine, mes enfants partent dans telle école. Tu as parlé en septembre, non? Chaque mois, on verra ce que tu feras. Pour discipliner tes finances, pour payer l'école des enfants. On verra. Pour Goyon, on va voir. Un mois, deux mois, six mois, neuf mois. Mais j'avais dit que mes enfants partaient à l'école privée, non? Je n'ai même pas pu mettre 2000 euros de côté. L'école, c'est 15 000 euros. Tu as manqué de discipline, chérie. Et croyez-moi, les personnes que vous pensez qu'elles vivent un mode... Bonjour, monsieur Nathaniel, le roi Nathaniel. Les personnes que vous pensez que, waouh, elles vraiment, ce sont des décisions. Quand cette personne part regarder le shopping, regarder les écoles, voilà l'école gratuite, elle aurait bien pu mettre son enfant à l'école gratuite. Voilà l'école de 5 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros. Cette personne a visualisé tôt. L'enfant a 5 ans. Je veux qu'à 11 ans, il parte à l'école privée. Vous me suivez? Après, tu rencontres une jeune femme là, elle te dit que, oh bébé, elle dit la sauce gombo, le bébé, le. Tu veux claquer l'argent sur la fille là? Hein? Elle dit, alors, la façon dont elle tourne la fête au lit, hein? Mouf, ça a le goût. Chérie, prends tout, prends-moi cadeau, oh, allez cadeau, oh. Tout l'argent que tu avais mis de côté, que tu devais payer l'école de l'enfant avec, tu sors, tu donnes. L'école de mon fils est 1600 euros l'année. Il n'a même pas fini sa scolarité. Et j'ai déjà fini de payer. Assis, t'as tiré quoi? Allons. Le bébé, le. Elle t'amène en boîte. Ou bien tu rencontres un Joe, un mec. Il te dit que non. Vraiment, tu es belle. Non, chérie, il calcule. Il sait que tu as un institut de beauté. Il te voit sortir chaque jour. Tu rentres, tu dis que j'ai eu 20 000 aujourd'hui.
J'ai eu 30 000. Et il voit comment tu t'habilles. Il sent que ce n'est pas sur l'habit que ton argent part. Donc, il sait que tu as les réserves financières. Les hommes sont très calculateurs. Hein? Très calculateurs. Ils savent ce qu'ils font. Après, tu dis, oh, tu es la femme de ma vie. J'ai eu le coup de foudre ou coup de foudre bac. Coup de foudre bac. Et, ah, kaba. Te voilà. Ah, on ne sait même pas que tu as trois enfants, hein. Ton corps est encore bien. Chérie, c'est le corbeau. Non, c'est le renard. Il est en train de te parler. Tu es le corbeau. Écoute. Continue de l'écouter. Passe ton temps chaque soir, tu écoutes. Maintenant, te voilà, tu vas acheter la perruque pour porter pour lui plaire encore. Te voilà, tu vas aller porter, acheter les habits. Te voilà, tu veux. Alors qu'avant, tu ne portais pas tout ça sur toi. S'il veut que tu mettes quelque chose sur toi, dis-lui d'acheter. Moi, une blague, père. Je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes. Oui. Vraiment. On sait même pas que tu as trois enfants. Hein. Hé, hé. Et il y a beaucoup de jeunes qui aiment sortir avec les femmes qui sont plus âgées. Parce que la femme qui est plus âgée ne va pas te demander l'argent. Elle a déjà sa situation. Elle a sa maison. Il y a le saucisson dans son frigo. Yeah, j'ai les inspirations souvent. Oui, ou l'autre, là, sont même d'où. Il y a le saucisson dans son frigo. Elle a la nouvelle voiture. Donc elle est au travail, tu sais qu'elle travaille beaucoup. Sa voiture, c'est pour garer devant le bureau entrée. Toi, tu as toute la journée. Bébé, donne-moi un peu ta voiture, non? Soyez sage. Soyez sage. Elle a déjà les papiers, elle est déjà infirmière, elle a déjà payé sa maison. Donc si elle veut qu'elle prenne un deuxième crédit ou ma valise à la banque, elle va le faire. Je veux qu'elle soit mon garant à la banque, elle va le faire. Sachez entretenir la sueur de vos fronts. Sachez entretenir la sueur de vos fronts. Godesse, merci. Tu passes 8 ans de galère, tu obtiens les papiers, 5 ans à l'école, tu finis, tu commences à bosser. Un tentama sort de nulle part. Commence à dire que tu es belle. Tu es belle. Il s'assoit chez toi, il entre dans ton frigo. Il n'a jamais acheté quelque chose pour venir déposer chez toi. Tu rentres, tu remarques que tel truc a disparu, c'est fini, c'est fini. Hey. Il prend ta voiture avec le carburant, l'affaire la m'énerve. Il prend la voiture avec le carburant, il revient, c'est vide. Ma voiture ne reste jamais avec le réservoir. Quand ça arrive à la moitié, je pense d'ailleurs qu'il faut que tu mettes, il faut que tu les charges. Comment tu conduis jusqu'à ça signale? Hein? Signale, dis-moi. Ça, c'est le direct des femmes intelligentes. Vous réfléchissez, s'il vous plaît. Le mois de septembre aussi est en train de vous faire devenir une autre personne. Parfois, il y a des décisions que je prends différemment d'avant. Et parfois, Dieu va me faire parler, il va me mettre sur le chemin de quelqu'un qui va me... L'autre jour, je vous ai dit non, j'hésitais beaucoup concernant certaines choses sur ma fille, surtout son éducation. Je tombe sur un chauffeur,
Je suis arrivée à l'aéroport, je n'ai jamais pu voyager parce que à cause du visa. Mais je me suis rendu compte que Dieu m'a fait prendre la voiture le jour-là. J'ai pris un Yango. Et je tombe sur un chauffeur qui paye. Il est chauffeur Yango, mais l'école qu'il paye à sa fille, c'est une école où les enfants de certaines personnes qui sont assez des hautes personnalités partent. Et là, il me disait que non, mon prochain objectif pour l'année prochaine, ça fait 4 ans qu'elle est dans cette école, je vais l'amener de l'endroit qui est plus cher que celui-ci. C'est là que je disais que waouh. Vous savez, la culture camerounaise, je ne connais pas pour les autres pays, mais la culture camerounaise fait qu'on donne toujours les déchets à nos enfants. Les déchets, je suis désolée, c'est ça. Et la culture camerounaise fait que la mère peut avoir un objectif, que bon, il faut que j'essaie telle chose, je dois préparer la nourriture du père avec la viande. Enfin, on dépose toute la viande au père, les enfants ont des petits morceaux de viande. Donc les enfants sont toujours les derniers. On n'apprend pas à valoriser nos enfants. Et même quand on dit valoriser, ce n'est pas parce que tu as porté la Bible, pam, 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 sur l'enfant. Parce qu'il y a aussi autre chose que j'ai remarqué. Les gens vont au selfie. On va faire que l'enfant parte se filmer. On a acheté la Bible de 100 000, on a mis sur elle. On a fait la fête de 500 000. L'enfant part à une petite école où on paie 100 000 au mois, ou c'est l'année. Alors que l'argent que tu as dépensé pour faire telle et telle chose, je ne sais pas. Une année, j'ai payé un voyage à ma fille. Et quand elle paye le voyage, elle lui dit que comme tu pars, tu ne vas pas seulement pour t'amuser. Arrive là-bas, tu observes. Et quand tu reviens, ça va t'aider pour que tu me dises ce que tu veux faire dans la vie. Elle a fait 2 semaines ou 3 semaines. Elle est revenue. Maman, ok, je veux faire ça, ça, ça. J'ai vu ça, j'ai parlé avec telle personne. J'ai parlé avec telle personne. J'ai observé, elle m'a dit comment son cursus scolaire, comment elle a fait. Elle est maintenant manager dans une grande banque là-bas, je ne sais pas trop quoi. Ça m'a inspiré, ça, ça, ça. Je ne sors pas mon agent, seulement pourquoi tu pars là-bas. Tu es à la maison, tu joues au game. Tu sors, tu vas, hé, mof, moi, Mia Younger, moi, moi. Non. Moi, je dis non. Soyez intelligent. Soyez intelligent. Parfois, tu es en train d'hésiter sur quelque chose. Tu tombes sur un direct comme ça. Tu dis que yes, c'est. J'ai pensé à ça en journée, mais j'hésitais. Le jour-là, ça m'a rendu l'esprit ferme quand j'ai parlé avec le monsieur-là. Parce que parfois, tu prends une décision, mais dans ta famille, tu es la seule qui pense comme ta nouvelle façon de penser. Tu n'as personne qui va te faire rebondir ce que tu penses. Parce que tu te laves au sel, bien sûr. Tu te laves au sel. Tu utilises ton kit de fondation. Tu as pris tes produits chez Reine Lumière. Tu fais tes lavages à distance. Hein? Donc, du coup, tu sens que tu commences à te sentir comme une reine, quoi. Tu commences à te sentir genre... Hmm? Ta soeur vient te visiter. Pourquoi tu veux que l'enfant parte dans le jardin, dans l'école là? Mais mets-la ici à côté, non? C'est moins cher. Dès qu'on te dit ça, tu dis non. Je ne veux pas. Ta soeur passe 2 heures dans le groupe familial à t'insulter. Ça te fait mal. Ça te fait mal. Tu dis que yeah. Je ne demande pas l'argent à la femme si vous payez l'école de mon enfant. Car avant, on te cap billet. Hmm? Mais ça la dérange parce que tu oses voir plus loin pour toi. Certes, j'ai accouché tôt. J'étais mère célibataire. Je suis mère célibataire, oui. Ça de grande soeur. Je paie la chambre à 15 000. Mais je veux que mon enfant parte dans telle école. Tu vas prendre l'argent où tata, j'ai économisé pendant l'année. Hein? Tu veux montrer que tu as l'argent? C'est pour ça que je vous ai dit, ne vivez pas chez les gens. Écoutez. Ne vivez pas chez les gens. La petite nourriture de 1000 francs que tu manges chaque jour chez quelqu'un, 500 là, ça casse ton esprit.
Ça casse ton esprit. Ta mère t'achète maintenant les habits. Parce que tu as laissé ton enfant chez ta soeur. Vos enfants font quoi chez vos soeurs? Ok. J'ai assez chauffé, non?